Et salut à tous, c'est Azurix et bienvenue sur l'épisode 3 d'Eternal Darkness avec notre petite. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. D'un autre côté, j'ai eu du mal à faire cette vidéo, il faut pas m'en vouloir, c'est peut-être la quatrième que je tourne. Ah oui, c'est vrai, il y a de l'endurance, j'avais totalement zappé. On venait de voir l'aventure selon le point de vue de la petite égyptienne. Je crois que c'est ça. Maintenant, on va voir le point de vue, si je me souviens bien. Examiner. Ah, c'est ça, Alex, elle s'appelle. Suspicion de complot. Ça, c'est... Je sais plus du tout qui c'est. T'as de beaux yeux, tu sais. Your presence is welcome, Majesty. As always, I am honored. Lèche-boule. Our dear king will have pleasure to us both, then. As do we all. What is this flaw you wish to discuss with us? My concern is with the other ancients. Ulioth, Chaturka. Should they unite with Mantarok, they will doubtlessly possess enough power to vanquish even thee. As darkness abhors and light abhors dark, the others will not, cannot join forces. Mantarok will be bound, and the others will sink into insanity when I return. As has been foretold. I was unaware. There is much you do not know. Certain to retrieve Mantarok's essence, it is necessary to cement our place in your world. Then what of Charlemagne the Frank? What do you intend for him? The Frank is an instrument of light. He seeks to unite Europe under his banner. With this in place, my guardians will be hard-pressed to perform the functions you require. For your own schemes, Pius. Then Charlemagne will be removed from the picture. Make sure he is dead. Or insane. Or perhaps one, then the other. Just make sure he is removed from power. Of course. He is as good as dead. Ouais, si tu pouvais le tuer avant qu'il invente l'école. Ça serait cool. Suspicion de complot. Je crois qu'il faut que je retourne dans le bouquin des ténèbres. On s'en fout. Non, c'est pas ça. Il faut utiliser ça. From my research, it is apparent that the endeavors of mankind are mere puppetry at the hands of the ancients. Whenever a king vows reform, the ancients move quickly to stifle it. Under the auspices of Emperor Charlemagne the Frank, the new Holy Roman Empire was at the height of its power. Lève-toi, jeune imberbe. Concmit ad dominum et imperatorum nostrum, carolum magnum francum. Deliver this to our Lord and Emperor, Charlemagne the Frank. No one but him must see it. They are words for his eyes only. At once. C'est marrant, ça. Bewitched. If this was meant for Charlemagne, then what will become of him? I have to warn him of this treachery.
Allez, c'est parti. Parlez. D'accord. L'audience pour l'évêque. C'est quoi déjà le bouton pour courir? Là. ça va être assez compliqué parce que je ne me rappelle jamais de ce passage. Mais bon, on va essayer de sauver Charlemagne. Toi, Charles, enfin toi. Examinez, détail. J'ouvre le cercueil. Oh my god! Oh my god, what is it? This devil's work. We should get out of here. Ouais. You have proven what we have feared the most. This poor man has been the victim of great evil. Look how his body has been defiled. As if something has burst out from inside him. Here, take this for your protection. And find the bishop. He must be informed of this horrible discovery. Scramazax. J'appellerai ça une épée courte pour plus de facilité. C'est toujours agréable de se faire abandonner dans une église. On va s'en équiper. Voilà, ça, c'est fait. Eh oh, y'a quelqu'un? Non? Ah, la statue de la gonzesse et de Pius. Sympa la déco. Pour ceux qui connaissent Senseiya, on est dans l'antre de Masque de Mort. C'est très feng shui. Ouah. Bah ouais, prends le livre des ténèbres ma foi. C'est bon, je peux y aller. Non mais oh. Et ouais mec, t'es en train de crever. Détail. Bien, ramasser. Examiner. Détail. Franchement, ils n'ont pas de bol les héros de ce jeu quoi. Ah, c'est le cercle qui nous permet de combiner plusieurs pouvoirs. Ouais. Liste des sorts, patati patata, gna 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 gna. Liste des sorts, ouais. Nouveau sort, Anthony n'a pas assez. Je sais plus du tout où c'est par contre. Ouais, je prends le livre. Voilà, ça risque d'être assez rapide, finalement. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Mais... je me rappelle quand même un petit peu. Oh, qu'il est pas beau. Meurs, chien. Un peu de sainteté mentale. Les runes sont des... crétins sur le cœur du roi, un sort différent. Ouais, on s'en fout. Tiens, t'as plus de tête. Hop là, lancer de glaive. Meurs pas sans que je te touche, déjà. Pas drôle, ces mecs. Ah, les gouttes de sang. Ah, oh, merde. Oh,
cette gueule. La meilleure arme du jeu. Non, c'est raison. C'est trop facile de débuter avec ça. Vous faites directement ça, vous allez dans l'onglet, c'est dans l'onglet directement la équiper et brûle et brûle. Vous voyez, c'est comme ça qu'on nettoie. En temps de chercher Lyon, il n'a trouvé que l'épée de l'archevêque qui avait. Il lui donne l'épée de l'archevêque. Ça, c'est une épée. C'est pas une putain de pelle à tarte à la con. Là il y a une urne, un morceau d'urne pardon, là aussi. Ouais mais j'ai pas fini de ramasser alors me saoule pas. Et vous brûlez toujours les enfants. C'est bien. Ce sont de bons zombax. Alors, combiné avec ça. Et ça, on le combine avec ça pour obtenir un vieux truc cassé. Je pense qu'il va me manquer des morceaux. Je pense que c'est ça. Vous imaginez? Je vais réaliser le cauchemar de tous les enfants du monde. Essayer de sauver le mec qui a compris sans le codex. Sans le codex, c'est une mystérieuse. C'est pareil, de toute façon, pour moi, des runes, c'est toujours mystérieux. Meurs ! Espèce d'affreux. Je crois que l'épée va m'être utile. Lui, quand il se refait une beauté, il fait pas semblant. On ramasse ça. Ah, ça va être une partie de plaisir grâce à... Ah oui! Il faut faire ça, des détails. Là, retour. Je crois qu'il faut utiliser les urnes pour les remplir d'eau, il me semble. Utiliser. C'est malin ça, si elle se brise et tout ça, comment je fais moi? C'est trop pratique. Grâce aux boîtes de chauffage dites du zombie. Plus jamais vous n'aurez froid. Enflammez vos zombies préférés. Par contre, ouais, la torche, c'est peut-être la meilleure arme du jeu, mais il faut aimer être fou, quoi. Et toi là-bas ? Ouais, c'est là où ça va se compliquer. Et voilà, la quatrième pierre pour comprendre l'urne, les runes, pardon. Et le paplard qui va me permettre de réparer... Je croyais que c'était... Ce qui est cassé sera réparé, ce qui est moussé sera affûté, tel est le pouvoir de la magie qui consiste à chanter un objet. Voilà, c'est cool. On va la signer ici, hein, ma foi. Donc maintenant on a une fameuse barre de magie, hein, la classique, quoi, j'ai envie de dire. Et on va jeter nos premiers sorts. Si le perso veut bien arrêter de bouger, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ah
Ah, ça, vous allez ce genre de truc, vous allez l'entendre très souvent dans le jeu. Bon, allez, on va remplir les urnes. Avec Quasimodo, là. Sans déconner, il est vraiment en train de devenir Quasimodo, le mec. Urne verte. J'aime bien comme l'image, elle se recadre quand on fait une action. Quoi. Hop là, recadrage. Et l'urne rouge rempli. Parfait, c'est nickel. En fait, tous les sorts ont une couleur spécifique, mais ont vraiment des effets totalement... Enfin, mourir pas comme ça, c'est bon, ça va, je fais que parler. Moi. C'est vraiment plus rapide, là. Voilà, bougera pas. Allez, tadam. Par contre, je vais faire un truc parce que je sens que je risque de crever. Je vais sauvegarder ici. N'inquiétez pas, c'est juste une précaution. Et là, par contre, je vais inventaire, équiper. Ouais, mais t'as dit que la ferme. C'est voulu, hein. Parce qu'il me semble qu'on a une sorte de boss à la con ici. Et j'aimerais le passer sans trop de problèmes. Ouais, c'est ça, on va se battre contre le curton. Trop sympa. Non, pas lui. Mais il te chope pas au bourg, quoi. Putain. Non, lâche-moi. Mais lâchez-moi, sérieux. Non. Ah oh, putain, la merdeur finie, quoi. Ah putain, j'ai plus d'endurance. Ça va être comique. Est-ce que j'ai du soin quelque part? Non, même pas, j'ai pas de soin. Ah putain, j'ai dû oublier de faire un truc. Non! Ça sent pas bon. Oh, t'es sérieux là? Elle t'a plu mon épée? Foiré. Un hôtel consacré au lieu qui ok. Ça sent pas bon toute cette histoire. Si je peux pas me soigner, ça va être chaud.
concours de la meilleure cam 2017. Ouais, moi j'achève des troncs quoi. Hop là, raté. Ah, sans déconner, je crève là, j'aurai les bouffes. On va affûter un peu l'épée. Ça m'a vraiment servi en fait. Hein. vous auriez pas un peu de soin quelque part là les gens? Je vais bien. Tu regardes quoi là-haut? Ouais, pendant une seconde, j'ai cru que le truc était immense. Ça y est, ça commence. Oh putain. Et merde. Alors comme vous pouvez le voir, hein, ces bestioles en fait vous téléportent dans un autre monde et ça serait bien que je puisse récupérer de la life. Trapper s'étend dans toutes les directions, cette dimension, le portail passe. Je crois que c'est le rouge qu'il me faut. Là c'est la violet, c'est la sortie. Non. Si c'était le bleu, je vais être tellement en colère. Oui, c'est ça, c'est le rouge. Oh putain. Life. Non, ne réglez pas votre téléviseur. Bon, le bon côté avec ces petites merdes qui rampe au sol, c'est qu'une fois qu'elles sont mortes, elles sont mortes. Il suffit juste qu'elles vous envoient dans une dimension parallèle pour qu'elles foutent la paix, quoi. Non! Oh, il m'a pas touché, il faut arrêter, là. Bon, mais allez, je vais aller récupérer de la santé mentale. Comme ça, l'écran redeviendra normal. Oh, ça va, tu vas pas te mettre à chialer pour ça, quoi. Le problème, c'est que j'aimerais éviter de trop me retrouver ici, parce que plus ça va, plus en fait, il y a de monstres ici. Voilà, tu te sens mieux? T'arrêtes de chialer. Pas de bras, pas de chocolat. C'est Bichoco qui l'a dit.
cerveau. Nope. Et c'est parti pour une fiesta brochette pour tout le monde. Qui n'en veut ? 3615, qui n'en veut ? Très grand distributeur de viande. Distributeur de viande, pardon. Distributeur de... Ouais, distributeur. Du grand viande. Comme s'il attendait à voir revenir l'évêque diabolique à tout moment. Non, rien qu'un type à moitié mort. Qui doit aller sauver Charlemagne. Great. Je crois que je vais avoir un autre boss ici. C'est ça. Donc on va sauvegarder ici au cas où je meurs. Ce n'est que de la précaution. Hein. Dites pas que je suis un lâche ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. Et c'est parti. Je suis sûr qu'on pourrait dire n'importe quoi, ça passerait quoi. Oh mon dieu, je suis dans Half-Life. Littéralement. À la fin, il ne peut rester que moi, voyons. Ah, mais t'as fini avec tes éclairs de merde. Ouais, franchement, ça aide de booster l'épée. Je me rappelle l'avoir fait sans et j'avais galéré comme un porc. Ce genre de monstre, c'est assez pratique quand même. Donc je disais, ce genre de monstre, c'est assez pratique parce que une fois que tu les butes, quoi, bah, ils disparaissent sans laisser de traces, quoi. Ouais, non, j'ai pas besoin. Même si ça fait cool d'avoir une épée qui brille comme ça. Centuries ago, as is the fate of this world. Despite your faith, there is little to save you from the power of Zelotan. Yeah. Ah putain, ces flashs verts commencent vraiment à m'énerver, quoi. Oh, j'ai peur. Le méchant, il avait pas de tête en fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Examiner le bureau de loin. On s'en fout. Donc voilà, c'était une nouvelle, un nouvel épisode. Le troisième hein, sur Eternal Darkness. Avec le pouvoir des runes. Un pouvoir très agréable, ma foi, qui fait briller. Ah non, c'est vrai que je l'ai pas, moi. Ah si. Si, regardez, je l'ai. Oh. Et vous allez voir que ça, ça va me servir à débloquer certains accès. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.